Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous fais la revue de ce DTP. Donc il n'y a pas de vlog et pas de préparation de diamant. Donc c'est mon DP que j'ai amené en vacances que je viens de finir aujourd'hui, le 21 juillet. Donc c'est un DP que j'ai acheté sur Shopee, mais Shopee ça n'existe plus. C'était un 30 par 40 bord inclus. Donc c'est un 20 par 20 sans les bords. Il avait 19 couleurs, c'était de la colle coulée et je l'ai payé 3,25€. J'ai commencé le 10 juillet et fini aujourd'hui le 21 juillet 2022. Alors, je vais vous dire les remarques que j'ai écrites. Alors déjà, je vais commencer par les incorporations que j'ai faites. Donc, j'ai fait une incorporation de strass ici et de diamant AB dans le petit cœur ici et dans sa jambe. Donc je vais vous les montrer. Alors le diamant AB c'était du 963. Oups, je vous ai fait bouger. Et le strass c'était ça. Un strass transparent que j'avais. Voilà. Du coup, il n'y avait pas de cercle autour des symboles, mais on voit, par exemple, dans le blanc, on voit les symboles, les traces, quoi, des symboles. Où est-ce que je pourrais vous montrer qu'on voit bien? Oui. Donc, voilà. Sinon, les symboles ils étaient faciles à recopier vu que c'était que des lettres. Voilà, c'était ça. Oups, attendez. Hop, voilà. Ils étaient faciles à lire. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, malheureusement, les diamants ils popent un peu aussi. Donc, il faudra bien que je l'encolle, mais ça, j'y ferai plus tard. Il m'a bien plu. J'ai bien aimé le faire. Ça, c'est mon petit aimant. Donc, voilà. Mais je trouve que cette taille, ça va très bien pour ces petits oursons comme ça. Donc, voilà. Sinon, c'est tout. Pour les déchets, j'en avais quelques-uns, mais je ne les ai pas gardés au fur et à mesure parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'était mon DP de vacances, donc je n'avais pas mis tout mon... Voilà, il y a un diamant qui a sauté. Et il y a d'où celui-là? Mais je sais pas. Bon, je vais le mettre dans ma barquette, je vais regarder. Où est-ce d'où il vient? Eh bien, je ne sais pas. Ah si, je vois. Voilà. Il faudra bien que je passe un coup de rouleau. Ça, ça ira. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà découpé les bords. Hein. Je vais vous montrer. Alors, il me reste... j'ai des restes pour, tout, pour les 19 couleurs. Donc, du coup, ça, je vous l'ai déjà montré. Donc, j'ai du 3799. Ensuite, j'ai du 3861. Ça, c'est du 3688. Voilà, j'ai pas mal de restes. Du 3756. Ça, c'est du 3716. Ça, c'est du 3041. Oups, je vous ai fait bouger. Dans certains sachets, les diamants n'étaient pas piqués, dans d'autres, si. Par exemple, dans le 3756, j'en ai pas trouvé qui était piqué.
si je me mettais le flash. Non, je peux pas. C'est pas grave. Donc celui-là, est-ce que je... Oui. Et ça, c'est du 415. Alors, j'ai écrit à l'envers le chiffre 415. Enfin, j'ai collé l'étiquette à l'envers sur le sachet. Le 894, donc ça, c'est vide. On s'en fiche. Le 453. Le 762, vous voyez, non, j'ai pas mal de reste. Et ça, le 223, c'en est un que j'ai dans ma réserve que j'avais pris et j'avais largement assez. 819, c'est pareil, j'en ai eu largement assez. Le 800, c'est un de ma réserve, j'en ai eu assez. Ensuite, qu'est-ce qui me reste là? Du 452, oups, à chaque fois je vous fais bouger. Du 169, voilà, du 3024. Après, il y a des couleurs que j'ai pas mis, par exemple, le 800, je l'ai pas utilisé parce que c'était dans le nez où j'ai mis les strass, donc je m'en suis pas servi. Le 318, et après le A et le E non plus, je m'en suis pas servi beaucoup. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi là je vais ranger tout ça dans mon petit sachet zip et je les rangerai ces jours-ci les diamants. Et là je pense que je vais encoller ma toile, après ce sera fait. Et voilà. Donc malheureusement, vous n'aurez pas de vlog hein, pour ce DP là. Ça, je vais mettre là-dedans aussi. Donc je vais tout mettre là-dedans. Puisque j'ai tout fini. Hop. Tout mon matériel. Donc voilà, j'ai oublié de vous la montrer. Hein, on avait aussi une petite photo d'identité comme ça. Donc voilà, je la collerai dans mon carnet. Donc voilà pour ce DP. Qui est très mignon. Voilà.